Ah mais tu gâches alors qu'il est minuscule. Ah, sent bon. Mmh. Ah, ça sent fort là. Ah, ça sent bon. Ça change de ton odeur corporelle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tu dis pas bonjour? Je suis pas dedans là. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale car c'est devenu une institution sur cette chaîne YouTube de faire des vidéos rangement de dressing. C'est ça la vidéo? Tu m'as pas dit. Mais si, Jérémy, je t'ai dit, juste tu m'écoutes pas. Genre, tu t'es pointé là, tu sais même pas ce qu'on fait. Tu m'as dit un truc dans le dressing qui dure 6 heures. Tu connais mes vidéos dressing oui, sur ma connais, chaîne. Je connais, je connais. Donc, dans ces vidéos, je range mon dressing et voilà, je fais du tri, je nettoie, je range. La particularité de cette vidéo, c'est que déjà on va être deux pour le faire, donc ça m'arrange. Deuxième chose, c'est que tu vas m'aider. Je te montre ça, tu me dis... À la bombe atomique, femme à marier ou... À la décharge. À la décharge. Ok, mais on fait quoi des fringues que je veux pas? Attends, que tu veux pas, calme-toi, tu n'as pas autant de pouvoir. La particularité de cette vidéo, c'est qu'on va faire le plus gros tri jamais enregistré sur cette chaîne YouTube. Je veux qu'il y ait deux cintres, deux t-shirts, deux pantalons. Et on fait quoi avec? Et... On les vend sur Vinted. Donc, je pense que tous les vêtements vont être vendus sûrement sur Vinted. Je vous mettrai en barre d'infos là où je vends mes vêtements, mais je vais les vendre. La petite surprise, parce que bon, quand même, vous pouvez me faire un petit cadeau dans cette vidéo, c'est que on va essayer de te faire plus de tiroirs. La particularité, c'est qu'on va enlever les deux portants qui nous hantent dans cet appartement. Ouais. On va les enlever. Là, on les met dans le couloir. Okay. Et on met toutes les fringues qu'on veut plus dessus. Ok. Ok. Okay. Est-ce que t'as vu mon unboxing Ikea? Non, j'ai juste vu la pluie. Ok. Regarde vraiment pas ce que je poste. Là on est plus organisé, on est en portant là, c'est bon, on commence. On commence par quoi? Moi je pense les blazers déjà. Ok. Porteur. Vas-y, je fais un Frankie Shop, c'est mon blazer noir préféré, ouais. Donc t'as pas... On Et tu sais que quand on était au Japon, j'ai fermé le placard sur un des boutons. Donc j'ai un bouton en moins. Tu sais que ça se change hein. Bah attends, tu veux pas qu'on les mette ailleurs? Non, là on met tout ce qu'on garde et tout ce qu'on garde pas on met sur le portant. Ça dégage. Non, non, il est beau hein. Ça va pas là. Non, c'est bien! Non, mais c'est bien! Juste que je t'ai trop vu avec, mais vas-y, go! Mais non, il est neuf! Ah bon? Bah, je l'ai acheté il y a moins d'un an! Ah ouais? C'est pas l'autre que je mettais quand on s'est rencontrés! Ah, je pensais là, il est oversize, Jérémy! Ça! Franchement, ça dégage! Ouais, je suis d'accord! Cette doudoune, no! Elle aura une bonne vie ailleurs! Non, tu viens de l'acheter ça, on garde! Je sais pas! Si, si, on tu non, non, mais ça, tu mets ça! Blazer, ça, Jeff, Avenue! Ça, tu portes, allez hop! Ça, je peux déjà te dire que ça dégage! J'avoue, ça, je l'ai pas mis! Il est, en fait, il est vieux alors qu'il est tout neuf! C'est le style! C'est le style, mais bon! Blazer, naked, déjà il y a l'étiquette. Je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà mis. Franchement, c'est joli. En fait, c'est bien parce que ça va avec du beige et tu peux mettre ça genre au beau jour. Je le garde. Ça, Sandro. Ça, tu gardes. Non, mais vas-y, arrête de faire. T'es horrible. Ça, tu gardes. Je pense que lui, il est bien. Juste, il est pas assez oversize pour mon délire. Ouais, mais garde au cas où pour genre des rendez-vous et tout. Pour le Japon, quand je viens en oversize, ils sont en mode. Qui est cette personne? Là, je veux 100 000 canettes pour le mois prochain. Celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te dirais de garder. Ah ouais? Je l'aime pas. Ah bah, si tu l'aimes pas, non? Bah, je l'ai beaucoup mis. Je peux plus trop me le voir, mais il est vraiment bien. Je suis dans une vague de. Il y a des vêtements que j'adore, juste je les mets plus. Et là, je suis dans une vague que je veux tout dégager. Il faut que des belles pièces. Je veux que des pièces que j'ai envie de mettre tous les jours. Si j'ai pas envie de le mettre tous les jours, c'est mort. Cette petite veste. Mode zèbre, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, ça, je suis pas d'accord. Ouais, ouais, un putain de zèbre. Je le garde. Et je l'ai déjà mis avec l'étiquette, je tiens à préciser, parce que c'est une habitude. Il y a un manteau que j'ai mis pendant genre... Ah oui, si. Deux semaines. Tu t'en es rendu compte, j'étais là. Et j'allais dehors, je faisais toute ma life. Et il y avait genre une énorme étiquette en bas. Genre, je me tapais la honte de ma vie. Blazer noir à rayures. Non. Je suis d'accord. Celui-là, je l'ai beaucoup mis, je l'adore, mais ça y est, je peux plus. Ouais. On veut des pièces intemporelles, des pièces qu'on a envie de mettre aujourd'hui et en 2045. Bah, pas ce blazer vert. Je suis d'accord. Oh là là. Quoi? Le plus beau haut que tu n'aies jamais acheté. J'ai déjà raconté l'histoire de ce haut. Je ne le mets plus, mais il y a un réel attachement sentimental. On garde. On garde. Blazer beige. Bah, tu peux faire les deux. Déjà, c'est le jaune d'après, tu peux le dégager. C'est un Jeff Avenue, donc tu te calmes. Ah ouais? Ouais, j'ai été un peu déçue de la couleur. Ah, la couleur, elle est cacadois. La coupe est plus stylée que celle-là. Bah, je préfère cette couleur, mais après, si tu me dis que c'est plus stylé. Ok, ça je voilà, et je garde celle-là. Regarde-moi ça là. Ouais, c'est bien là. Là on a des intemporels. 4, 5, 6, 7, 8. J'adore cette vidéo. Vas-y, vas-y. Ah, j'avoue, il y a ça à faire. Ok, celle-ci. Tu gardes. Obligatoire, on les achète ensemble. On les achète en Corée. Mais bah, par contre, on peut pas passer 25 minutes. Ok, 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 on passe pas 25 minutes. J'essaye parce qu'il me faut des lunettes. Ouf, non, il me faut pas de lunettes. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On va pas essayer tout de suite. Bah, c'est sur moi que t'es censé juger, pas sur toi. Celle-là, j'ai la mis, c'est les trucs de Tomorrowland. Celle-là, 100%. Putain, mais par contre, ça me va bien, les lunettes de meuf. Non, mais. En vrai. Celle-là? Tomorrowland, tu les gardes dans la boîte à Tomorrowland. Ok. Ça, tu gardes, obligatoire. Ça, bah attends, faut que tu me vois avec. Non, mais c'est bon, ça me va déjà. Ouais, parfait. Ouais, banger. Ça, je crois que c'est des naked. Elles sont trop bien, regarde. Ouais, tu peux garder. Ok, merci. C'est une de mes paires préférées au monde. Regardez comment elles sont belles.
ça. Mais c'est sur moi que tu dois juger. Je pense que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok. Est-ce que tu veux que j'aille chercher un petit sopalin et genre dans 2 secondes, j'ai le temps. Non. Tu veux le faire. Je peux pas. Mais Jérémy, on n'a pas le temps. Non mais attends, le plan, je peux pas être avec ma chaussette. Hein. Mais là, si tu veux la preuve en image. Là, je vais mettre tous les bijoux que je ne veux plus et limite, je ferai un lot de bijoux si ça vous intéresse. Là, par contre, là, on perd du temps. Hein. Non, non, on perd pas de temps. C'est hyper utile ce qu'on fait. J'avoue qu'on perd du temps. Donc, ce qu'on va faire, juste les bijoux, je les trie pas parce qu'on va pas passer 5 heures à faire cette vidéo. J'ai un qui pue des pieds. Voilà. Deuxième tiroir. Ouh là là là. Oui ou non? Inutile. Avec ou sans la poussière? Ouais, non, inutile. Ça, inutile parce qu'il y a les autres inutile. Qui ressemblent. Ouais. Ça. Ça. Non, c'est pas utile. Prof de chimie. Prof de techno en 4ème C. Et ça, c'est ignoble. Oh, c'est moche. Ok, alors. Un petit tiroir pour changer. Vas-y, montre-moi les trucs. Le fut, ça c'est. Bien sûr que oui. Ça c'est un futaille, ça. Faut vraiment que j'achète une ceinture parce que j'ai un problème de taille. J'ai les jambes trop longues. Qui met les pantalons? Donc je dois prendre un truc grand. Du coup, il me faut une ceinture. Ça, on grimpe. Ça, c'est vu et revu. Ah ouais? Attends, t'as bien vu avec quand même. Non, je pense que je vais le remettre. Ah ok, si tu le remets, c'est bon. Celui-là, il dégage. En toile de jute. Bah, faut le mettre là-bas, c'est de ton côté. Ça, je peux pas donner mon avis là-dessus. Attends, c'est un pantalon beige. Tu vas le remettre? Ouais. Ok, bah garde. C'est un basique. Franchement, on garde. Ok. Lui, non, il est trop petit. Ah bon, bon. Ça, je t'ai vu tellement de fois dedans. Ouais, mais il me bat plus. En fait, non, c'est t'as pas que ça me bat plus. Tu sais ce que je veux que ce soit oversize. Ah oui, voilà, bah alors, vas-y, vu que c'est tous les mêmes, ils dégagent tous. On fait une rangée pantalon, une rangée de jean. Regarde-moi faire, m'aide pas. Hein. J'aime bien regarder faire. Regardez. Magnifique. Trop bien. Oh, pourquoi il y a encore des pantalons? Ah, ouais, mais attends, ils viennent de loin là. Ça, je porte. Ton gros ne rentre plus dedans. Oh, t'es sur YouTube là, Jérémy, abuse pas. Oh là, la taille du bordel. Alors, mais alors ça c'est trop. Ça. Alors, non, story time. J'ai acheté ce pantalon. J'adore la marque The Franky Shop. Et genre, ça fait vraiment partie des marques que j'achète pour garder les trucs super longtemps parce que c'est trop quali. Mais alors, celui-là, genre, c'était mon pantalon préféré. Je me suis tellement fait avoir. Il y a l'ourlet qui, genre, s'est complètement détaché. Et il traîne par terre. Il s'est pas détaché, hein, l'ourlet. Ah non, c'est pas lui? Non. Merde, c'est quoi alors? Ok, lui, en fait je l'aime bien, mais il est tellement transparent que et ouais. J'ai jamais assez de string. Ah ouais, je rigole. Je le donne? Ouais. Ouais. Ça va avec le blazer. Ouais. Ça, non, ça, ça me sert trop. Bah. Ça me sert trop, je te dis. Bah, ça me sert trop, tu le déj. Bah, c'est pour Vinted? Bah, t'as dit ça te sert trop. Ah, ça te sert trop. Ah oui, oui, ah, ça me sert trop. Je croyais que c'était genre utile. Ah non, non. En fait, t'es c'est juste trop serré. Oh, j'adore! Mon dieu! Oh, mon dieu, il y a tout qui part! Oh. Mais mon rêve. Mais en fait t'as plus rien, t'as 3 pantalons. Bah franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? Pas du tout. Ok, trop bien, déjà t'as 2 tiroirs vides. Comme depuis 5 ans, mais oui. Bah est-ce que t'as déjà mis des trucs dedans? Ouais mais en fait après... Dis la vérité. Vas-y, vas-y. Dis la vérité. Non, allez. Tu te souviens de ce que c'est? J'arrive plus trop à savoir. Je crois que dans ma dernière vidéo dressing, j'ai raconté genre la petite histoire entre nous deux et ce haut. Genre là le mec il est là. C'est toi qui me l'as offert. Ah ouais? On était ensemble et tu m'as dit vas-y prends-le, c'est ton cadeau. Putain. Bon. Donc, il a une valeur sentimentale le gars. Ça, ça dégage. Putain, c'est une Franky Shop. Franky Shop, c'est ultra oversize, mais là c'était trop. Non, on va la vendre. Je vais pas la remettre. Ok, ça dégage. Montre un peu à la caméra, tu sais, c'est une vidéo YouTube qu'on fait. Ça dégage. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Ça, je peux déjà te dire que ça dégage. Je suis d'accord. Ça dégage. Montre à la caméra. Ça dégage. Ça, c'est chemise. C'est ignoble. Ok, bon. Ça c'est mignon ça. Ce petit top. Ça c'est mignon. J'adore. C'est grave mignon. The Franky Shop, elle est sublime. Ça, je la mets tout le temps. Ça, c'est un no-go. Ouais. J'ai eu d'abord celle-là et un jour j'ai découvert celle-là et je me suis dit elle est quand même beaucoup mieux. C'est une vibe. Non, il faut garder. C'est trop une vibe. Okay, pour pas garder. Tu gardes. Bah en fait, j'ai le même en noir et je mets tout le temps le noir et lui je le mets jamais. Ok, bah vas-y. Donc vas-y. Ça on garde, c'est un ensemble pareil et j'adore. Ça, bah du coup c'est pareil, c'est un dupe. Donc non. On garde une pièce qui nous plaît et on fait revivre les autres. Ça c'était pour je sais plus quoi, c'était pas une tenue, genre c'était pour mettre en dessous d'un truc. Franchement... Bah... Plus joli que l'autre rose, repasser clean, c'est je ok. Je pense que c'est ok, ça non. J'ai un t-shirt blanc qui est parfait, on en a pas besoin de 10 sur la plume dedans. Cet ensemble que j'ai mis pour Barbie, je le garde. Parce que j'ai pu le mettre qu'une seule fois et qu'il y aura d'autres occasions. Ça... Honnêtement, ça peut dégager. Ouais, ça aussi. C'est le meilleur tri de toute ma vie. Non mais regardez tout ce qu'il y a sur le portant déjà. Ça s'annonce bien. Ça, nope. Ça dégage. Je suis pas sûre. Hein. Non, je l'aime bien. C'est impassable. Non, je l'aime bien. Mais bien sûr que si, c'est repassable. Ça, c'est à moi, ça dégage. Ça, j'ai jamais ça dégage mis. Ouais, je l'ai jamais mis. Ah, tu veux que je vende tes trucs sur Vinted? Ouais. Ça, c'est à toi. T'aimes bien? Petite chemise. Non, ça dégage. Tu vas regretter. Non, je te jure. Je l'ai trop mise en fait. Une très grande chemise blanche de Franky Shop. Je la garde. Ouais. Ça, tu peux m'en servir en pyjama. Pourquoi t'as acheté un truc rouge comme ça? Et c'était une vibe dans ma tête et ça l'est pas. Regardez.
Matchy matchy. Ça c'est à toi, ça c'est à moi, c'est un froc. Donc je vais le mettre dans le truc des frocs. Excusez-moi, il n'y a plus rien. Oh putain, j'adore. Bravo Jérémy, bravo, bravo, félicitations, félicitations. Là, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. C'est un taser ça? Oui. Oh. Ouais, il a plus de batterie. Bomber, non arrête, ça c'est pas drôle. Arrête. Ça c'est mon truc à boutons. Tous les boutons, je les mets là-dedans. Oui, normalement mon petit bouton Franky Shop il devrait être là-dedans. Trop mignon. Ça j'en veux pas. Petit bijou pour vous. Tu veux pas tout enlever, on met un coup d'aspi? Moi aussi. Ça on garde pas. Ça c'est quoi comme marque? Ça garde. Putain, je viens de le mettre tout droit. Non 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 non, commence pas à te barrer. Je suis fière de nous, on est vraiment sur une bonne voie. J'ai fini les bijoux, tu peux te lever? De quoi? J'ai fini les bijoux. Bah go. Tu sais pas, en fait toi tu sais pas ranger. T'es comme ma mère, maman sait ce qu'elle fait. Quand elle nettoie une table, elle nettoie autour des objets. Toi t'appelles ça ranger là? Tu vas me cabosser. Moi je pense qu'il faut mettre comme ça et ici aussi. Et là on peut mettre des petites coques de téléphone. Franchement, ouais, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Là, on a de la place pour mettre quelque chose. Il n'y a rien de prévu, mais okay. Voilà. Tu veux faire le trait des soutifs? Non, ça ira, merci. Voilà. Donc. Ton déo que j'utilise depuis maintenant un mois et demi. Oh, t'es sérieux? Mais c'est pour ça qu'il a une forme ronde. Je le travaille à l'aisselle. Je le moule. Tous les matins. Story time. La première fois où j'ai vu Jérémy mettre du déo, faut être prêt mentalement. Quelqu'un de normal, tac, 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 tac. Jérémy, il fait. Il part de là. J'avoue, j'en mets sur une large zone, j'ai une hantise de sentir la transpiration. Je suis multitâche. Multitâche. T'es en train de me saouler ce gilet. J'aime bien. Moi aussi, je garde. Ça, c'est un trop beau pull. Ça, je garde. C'est un pull col roulé. Ça, pour vous. Petit débardeur noir. On dit jamais non. Ok, pour ça, vous. Ça, je sais pas, c'est pour le sport. Non, c'est un top que je mets jamais. Donc, pour vous. T'es censé me donner ton avis, Jérémy. Ouais, mais en fait, là, comment. Ok, je donne quoi? Mon avis sur quoi? Ah, ça peut toujours me servir un bandeau blanc. Genre, comment je peux savoir si un bandeau, tu sais, je suis un mec? Non, mais d'accord. Mais sur les autres trucs. Pyjama. Pyjama. Donc, attrait dans pyjama. Petite robe tube. Franchement, j'apprécie à moitié. Ok, je garde. Ah bah. Ça, je vous le donne. Petit débardeur, je garde. Ça, pour vous. Ça. Ça, c'est trop bien plié pour que tu l'aies déjà mis une fois dans ta vie. Ça, je garde. Ça, non, ça, non. Je suis fière de nous. Merci beaucoup. Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Ça, ça dans les pulls qu'on aime. Ça, je le mets jamais. On arrête ces bêtises. Ah, c'est quoi cette merde? C'est à toi? Ouais. Ah, mais tout ça, c'est à moi. Tout est à moi. Ah, bah, tu vis bien. Ça, c'est le genre de truc que tu me dis, je le trouve pas. Oh, oui, bah voilà, voilà. Ah, tu le trouvais pas? Non. T'as bien cherché encore? Ouais. T'es trop. Oh, il y a tellement de trucs à vendre. Eh, il y a plus rien. T'as fini? Pourquoi il y a un cheveu? Parce que tu viens de le mettre avec tes gros cheveux. Ça, vraiment le pire achat du monde, je sais pas pourquoi je t'écoute. On a acheté ça au Japon. Franchement, tu le veux? Franchement, ça pourrait-tu me servir genre pour aller au sport? Ça non, ça, en vrai j'en peux plus, donc je vais pas. Oh, tellement de choses. Putain, ça me saoule parce que tu me l'as fait acheter. Parce que quoi? Jérémy est hypochondriac, je le rappelle. À quel moment je t'ai fait acheter ça? Quand on allait en Laponie, et tu m'as dit, achète-toi ça, sinon tu vas avoir froid là, non? Et je l'ai jamais mis parce qu'il y a une capuche. Ça. Tu peux le tèche. Non, moi j'aime bien. Non mais garde pas ça, je t'en supplie. Si, je le garde. Non. Ça, je le garde pas. Là, les trucs comme ça, là, it's a no. Ça, pareil. Oh putain, il y a 40 millions de choses à vendre. Ok, t-shirt, pull. Je pense qu'il faut un autre truc genre pull, Uniqlo et tout. Okay. Et ce tiroir en bas est pour toi. Ça te va? Ouais, de ouf. Ok. Bien, allons-y. Bon, je te laisse gérer les t-shirts. Non, tu m'aides. Non. Je n'ai plus rien à me foutre. Si tu éternues comme moi, like, abonne-toi. T'es trop gênant. Vas-y, t'es trop prévisible, c'est ça ton problème. Là, mon dressing, quand il est plein, j'ai l'impression que j'ai rien. Genre, tu sais, j'ai rien à me mettre parce que je suis parasitée par toutes les merdes que je mets jamais. Et là, je pense que le matin, ça va être trop bien. On a tout fait là? Ah ouais? Il faut tous cette colonne et c'est bon. Ça, c'est une robe que j'adore de chez Naked. D'ailleurs, on m'a beaucoup demandé d'où elle venait. Elle vient de chez Naked. Garde-la. Ça, c'est une robe Sandro. Elle est mignonne. Une robe d'été. C'est mignon ça. Ok, je la garde. Ça, c'est une robe. Un chiffon. Bershka sans manches. Ça dégage. Ok, sympa. Ça. Ça, c'est un banger. Et il y a la doublure en dessous. Après, est-ce que tu vas les remettre? Je pense que oui. Je pense que ça, c'est un pyjama que je garde. Ça, les robes vont au même endroit que les pyjamas? C'est pyjama robe. Non. Non. Cette robe. Non. Ah ouais? Non. Donu. Non. Ok. Ça, moi, je suis pas fan. Non, mais si. Vas-y, ça, on garde. Donne en centre. Tu gardes? Ouais, ouais, je garde, ouais. Okay, et alors? Ok. Ça. Non, franchement. Ok. Ça. Bon, c'est joli, mais est-ce que tu veux la remettre? Je pense que c'est bien, c'est juste un truc d'été, genre en mode plage. Ça, c'est beaucoup trop court, j'ai trop le seum. Ça, il y avait un projet derrière ça, c'était de mettre ça avec un blazer. Ouais, mais le projet, il est avorté. Ouais. Et rester debout, ça me pèse. C'est toi qui me pèse. Ça, tu dégages. Et je te le dis, tu dégages. Blazer rose, ok. Non. Cette robe à fleurs. Bon, après. Si, franchement. Regarde.
On fera un triste été. Ça, ce n'est plus du tout mon style, ça part. Par contre, c'est une bête de pièce. Je décide de le vendre. Ça, je suis en pleine hésitation. Du coup, franchement, je vais la garder. Hein. Ça, ce pyjama, je peux plus le garder. Hop. Ça, c'est une robe de plage que je garde. Je ne sais pas ton avis. Ok, on avance. Je meurs de faim. Ok, il reste 3 robes, c'est génial. Et ah, non, il reste ça. C'est une robe aussi. Non, ça j'aime pas du tout. Je crois qu'elle me va pas en fait. Ça y est, je suis en dépression. Arrête ta comédie. Mon alter de plus tu me pourris l'âme avec ta négativité, plus tu nous ralentis. Ah. Donc je t'en supplie, fais preuve de motivation. Un autre sein, s'il vous plaît. Ah non, mais non. Merci. Jérémy. Je vais faire une pause. Non. Je n'arrive plus. Par expérience, j'ai pause, on revient jamais. Non. Ok, mais je reste là si tu veux. Je n'arrive pas. On a des chips. Non. Si jamais il y a des choses, parce que normalement sur Vinted, je mets jamais des trucs que j'ai déjà reçus par des marques. Mais par exemple, ce pyjama Etam, je l'ai reçu parce que j'ai reçu des choses que je voulais et il y a eu celui-là qui s'est mis dedans. Je ne le vends pas pour de l'argent, je le vends juste pour qu'il ait une deuxième vie. Donc je vais le mettre vraiment pas cher, mais au moins quelqu'un pourra en profiter. J'ai faim, j'ai mis tellement un truc à manger, je vais tomber mes pommes. Je t'en supplie, Jérémy, je t'en supplie. Bah, je commence à manger les 20h10. Ah mais non, faut surtout pas manger. Ah non, mais là je vais pas, y'a rien à manger donc. Il ne faut pas. Ah bon, mange pas alors. Non mais, oh. Là c'est le moment de down de la vidéo, il y en a toujours un dans les rangements de dressing. Ça, je m'en débarrasse. Ça c'est une zup, j'aime beaucoup. Ça c'est my favorite pyjama. Ouais, normal. Ça et ça, franchement j'aime ce pyjama. Qu'on le veuille ou non, je l'aime, donc okay. Je le garde. Ah c'est une robe sans manches. Oula. Non, je l'adore. Ok, faut la... Ok. Ça, le petit top, c'est plus... Non, jette pas. Tu vois là, maintenant que je peux plus jeter, je suis perdue. Ça, non. Ça, Skims, bien sûr que oui. Ça, c'est pour pendre. Ça, non. Un haut Skims comme ça, non. Oh. Ah, elles sont là, les chips. Je garde. On est trop fort. On a terminé tout. Ce placard, c'est une vraie victoire. Sauf que là, il y a plein de bordel qui fait qu'on ne peut pas sortir ce portant, qu'on doit sortir car j'ai un portant rempli de vêtements dans cet appartement que je veux mettre ici pour trier avec vous. Comme ça, on en finit. Arrivée imminente. Mais non. Il est là. On a commandé à manger. Ok, on vient de manger, donc là c'est la phase qui est dure, il faut rester fort mentalement. Non, vas-y, s'il te plaît, là t'es en train de nous faire perdre le peu d'énergie qu'on a. S'il te plaît, il est 22h. I think I like this feeling. Avant-dernière ligne droite, nous allons trier ce portant de trier le portant. Merde. Ouais. Je peux plus. Nope, j'arrive pas à me projeter. Moi non plus. C'est quoi? Mais je me dis en vrai, c'est un pyjama, c'est un petit haut mango. Ça dégage, j'aime pas. Ok, je mets tout à droite. Ça, c'est ma jupe noire. Ça, tu gardes. On plie, on range direct. Vas-y, hop, cette jupe. Je suis grave mitigée. Ouais, j'ai envie de dire non. Ok, c'est une mage, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui sera vraiment trop contente. Ouais. Ce body skims, le problème c'est que je l'ai acheté trop petit, mais je m'étais dit c'est ok, mais vraiment il me casse les aisselles. Vas-y, bah laisse tomber alors. Cette robe, le rêve de ma life. J'ai jamais eu l'occasion de la mettre, mais j'ai hâte. Ah non, je confonds avec celle-là. Elle est moche. Mais non, elle est belle avec le petit froufrou en bas. Les petits froufrous, ils font pas la tête, je trouve. Non, je vais la garder parce que c'est le genre de truc en fait quand j'ai des soirées ou des trucs, si j'arrive jamais, eh bien j'ai rien à me mettre et c'est le genre de robe que j'aime avoir. Non. J'ai dabé quand même. Ça, franchement. C'est une jupe. Je crois que c'est pas mon style. Non. Ce petit top Zara, il est trop chiant à fermer, tellement il est petit pour moi. C'est la robe dont je te parlais. Ouais, c'est bien là, c'est... Je n'ai jamais eu l'occasion de la mettre et c'est le rêve de ma life. Ça, ouais, ça y est, je l'ai tellement mis. L'eau mauve, pareil, ça dégage. Mais non, c'est une robe, elle est trop cute. Ah non, ça c'est. Elle est toute cutie pie. Ah non, je t'en supplie. Je l'ai mis avec mes petits talons blancs là, un petit sac. Ah ouais, j'aimais pas du tout. Ok, on a dit pour faire du tri, hein. On a dit qu'on perdait pas de temps. Cette jupe que je n'ai jamais de ma life réussi à mettre, parce que ce n'est point mon style. Ouais, ça dégage. Ah, elle est belle, celle-là. Elle est trop belle. Ouais, bien là. Ça, elle est trop belle, mais en fait, elle est un peu trop large, et du coup, ça fait vraiment genre chemise de nuit. Ça dégage. Et celle-ci, elle est cute. Une petite blague entre nous, tout le monde me dit qu'on dirait un truc. Franchement, bah du coup, on garde pas trop. On a fini ce portant, ça fait du bien. Aide-moi, je me casse alors. Bah alors, aide-moi quand tu vois galérer beaucoup. Là, il y a des choses qu'on ne veut plus voir. Ok, moi je te fais le tri. Ça dégage.
Je suis d'accord. Ça, je sais pas. Ah, moi je sais. Non, c'est le genre de truc. C'est un lit à poussière. Arrête. Non, je suis désolée. Ça, c'est mes chaussures de K-pop. C'est pas du tout mon délire. Mais pour des shootings ou des trucs, je pense qu'un jour ça me servira. Ah là là là, on dirait ma daronne. Ça, je pense que je garde. Enfin, je pense. Je garde. Ça, je garde. Putain, il faut que je me rappelle que j'ai toutes ces paires. Ça, tu vois, je le mets plus. Ah ouais. Je vends mes arigato. Mais évidemment. Je vends mes arigato. Mais juste, elles sont un peu pourries. C'est nul. Elles sont pas pourries, mais voilà. Les vendre, c'est. Faut juste les mettre à la machine et ils seront nickel. Par contre, ça, t'es en train de me saouler. Ça, je suis nul. Elles ont été portées une fois. Non, parce que les celles d'avant, je les ai mises pendant 45 ans. Mon pied était greffé à ces chaussures. Du coup, je me suis dit, si je les mets autant, je vais acheter une autre paire. Le problème, c'est que ce n'est plus mon style. J'ai peur que je me réveille dans quelques mois en me disant, putain, elles ont été bien avec ça. Ok, je garde celle-là. Celle-ci, on les garde. Celle-là, c'est vraiment pour le sport. Bah alors, tu gardes tout. Hein. Non, non, il y a plein de trucs que je veux pas. Cendrillon. Ça, je garde. Mais depuis, en fait, on est... Arrête ! On n'est pas allé jusqu'en haut. Alors là, j'ai vraiment mis celle que j'aimais le moins. Alors, tout là-haut. En vrai, les talons hauts, ça peut toujours servir. Ils sont pas hauts, donc bien pour chill. Les verts, je t'en conjure. Oui, mais je vais les jeter parce qu'elles sont trop abîmées là. Jette ces vertes. Oh, c'est quoi ça? Celle-ci, je les jette pas, je les vends celle-là. Et celle-ci. Pareil, franchement, elles ont fait leur temps. Elles sont décollées. Vraiment... Elles sont trop abîmées. Ouais. Et ça, c'est ma paire de tous les jours qui est dégueulasse à cause du temps de merde dans ce pays de merde. Vas-y, calme-toi. Okay, bah, en fait, j'avais tout fait quoi. Faut tout enlever, faut tout nettoyer. Ah! Ah oui. Oh non, pitié. Voilà. T'es contente? Tu crois dans le dressing de Maya là? Ouais, il se casse la gueule. Et t'as regardé notre vidéo? Non, je regarde pas vos vidéos. Tu connais mes vidéos dressing oui, sur ma connais, chaîne? Je connais, je connais. T'as déjà regardé? Ouais. J'ai vérifié. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'en peux plus. Je vois ta gueule toute l'année. Je peux plus en plus dans les vidéos. Attends, je vais essayer celle-ci. Mais tu m'aides ou tu fais un défi de mode? Vas-y, je t'aide. Mais en fait, voilà, c'est ça qui m'énerve avec toi. C'est qu'en fait, c'est moi qui fais tout. Non, c'est pas toi qui fais tout. Pour une fois, tu fais quelque chose. Abuse pas. Non, non, franchement. Ah, ok. Qui a mangé la boule de bain? Qui a mangé la boule de bain? Qui a mangé la boule de bain? On dirait vraiment que ça a été mangé. Hein. Tu m'accuses? T'as mangé la boule de bain? Mais non, je l'ai cassée en deux. Bon, je suis plutôt fière de toi. Merci pour ce rangement. Ok, je te propose un truc. J'ai fait les chaussures, tu fais les sacs. Ok, moi, je vote pour un truc. Ce n'était pas prévu. Mais je vais vendre mon sac Jacquemus. Parce que vraiment, je ne m'en sers plus du tout. Vas-y, vas-y, viens. On fait en accéléré, vite. Des heures plus tard, nous avons enfin terminé. J'ai un peu le seum parce qu'il est 23h. Mais. T'as vu comment c'est prenant les vidéos dressing? Mais avoue. J'avoue, j'ai de la place. Là, c'est cool. Ouais. T'as plus de tiroirs comme ça, t'arrêteras de squatter. Genre là, t'es bien. Ouais. Mais si, sois pas gênante comme ça. Mais je suis pas gênante. Mais si, t'es gênante. Non, je suis pas gênante. Ah, attendez. Je vais vous montrer le résultat final. Non mais on n'a jamais fait autant. Dans aucune des vidéos, il y avait des portants comme ça. Donc là, à la rigueur, on peut se dire, bon, ok, il y a des sacs ici, mais là, Vinted, ils vont même pas accepter que je mette autant de trucs sur mon compte. Ta-da-da ! Regardez comme c'est tout beau, tout propre. Nous reste que l'essentiel, 4 jeans, des pantalons. Là, c'est les tiroirs de Jérémy maintenant. Les petits t-shirts, les pulls. Là, on a de la place. Les pyjamas. Oh là là, j'adore. Là, c'est trop bien. Les chaussures. C'est trop beau, les sacs tout rangés. Oh, attendez. T'as pas la rêve parce que t'as pas encore vu la vidéo. Mais pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez ce qu'on va faire. Pour fêter ça, nous allons ouvrir ensemble mon petit truc qui sent bon. Suède Vanilla de chez Rituals. Home sweet home. Je suis fatiguée, faut que j'aille dormir. Maintenant, tous les trucs dressing, tu seras convié. Non, merci, sans si. Façon. Si, si. Merci, si, sans façon. Dites-le dans les commentaires que c'est beaucoup mieux quand il est là. On est d'accord que c'est beaucoup mieux. Dites-le dans les commentaires. J'attends avec impatience. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup que tu sois là. Donc, je pense que tu seras convié vraiment. Dans plus de vidéos. Ouais. Okay. Ouais. Déjà, est-ce qu'on peut spoil? Mais normalement, je dis, on tourne une vidéo tous les deux encore. Ah ouais, on s'empiffre. Ouais. On vous spoil pas trop non plus. Non. Normalement, c'est la prochaine vidéo. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu. J'allais dire on est bientôt 600 000. Bon, j'abuse, mais excusez-moi, ça va beaucoup trop vite. Vous êtes incroyable. Mais il faut qu'on fasse un truc pour les 500 000. Oui, je sais déjà ce qu'on va faire. Ah ouais? Mais je t'en ai parlé. Non. Si. Ah ouais? Jérémy, je t'en ai parlé. Je t'écoute plus. Et n'hésitez pas aussi à suivre sur Instagram et TikTok. Merci Jérémy pour cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.